Votre mission, si vous l'acceptez, allez mettre l'ambiance au chaud sans vous faire avoir par les pics rouges. Chef, qui sont les pics rouges? Père Routian, inquisiteur killer, radicalement uni pour l'enseignement général. Je vous souhaite bonne chance. Oui, mademoiselle, quelle agréable surprise. Vous avez vu le résultat de Bruges cette semaine, ce week-end là? Et non, franchement, ils ont abusé, hein. Ils sont premiers au classement même. Et oui, ils s'arrêtent pas, ils ont plus enchaîné une fois. Bonjour, monsieur le proviseur. Que se passe-t-il encore? Les rétos sont là. Je répète, les rétos sont là. Oh non, hein? John, vous n'avez rien à faire ici. Ah.
fuites dans le toit et tu t'attends à des licornes. Mais il y aura quand même des sketchs hilarants, des tentes géniales. On va mettre le feu. Tu vois qu'il y aura du feu? Oui, si tu veux. Tout de suite, pour commencer ce show en beauté, voici Dance Crew Barbouze. Jeune Jean, on n'avait rien à faire ici. Pablo Matini, Adrien Kizelon,
seront attachés par les mains et devront avancer jusqu'à l'avant-scène afin de peser. S'ils donnent la bonne réponse au niveau de l'artiste ou du titre de la chanson, ils gagneront un point et s'ils donnent les deux réponses correctes simultanément, ils gagneront 3 points. Alors malheureusement, Madame Denis n'est pas parmi nous aujourd'hui. On va donc appeler Monsieur Vincent. Jean-Pascal l'agitateur. C'est bon. C'est bien ça. 3 points pour l'équipe de Monsieur Vincent. Attention, ça se joue sur le bonheur. Toxique. Ils sont séparés. Hein. Toxique. Ah, ils sont séparés. Il reçoit 1 point. L'équipe de Madame Braquier reçoit 1 point. Ah, bien cassé tout le buzzer. Un point pour l'équipe de Madame Vacnier. Tu peux passer à la suivante, Boris. Diams, la boulette. C'est bon, un point pour l'équipe de Madame Monfils. La boulette. Fatal Bazooka, j'aime trop ton boule de pêche. C'est bon aussi. Ils sont chauds. 3 points supplémentaires pour l'équipe de Madame Monfils. C'est bien Ben qui est en tête. Un spécial proviseur. Spécial monsieur le proviseur. Ça se voit là. Plus de buzzer. C'est bon. Camaro, Femme Like You. Ça, il est encore cassé. Égalité. Oh. Ça m'énerve de Helmut Fritz. Hein. Et ouais, c'est bon, 3 points. Et on passe à la dernière chanson. Tu peux y aller, Boris. Merci à tous et bonne suite du show. Vous êtes chaud. J'ai rien entendu, Verbout, c'est
on était dans les années 80, ça pourrait aller. Ben, je te remercie, on parle de ta chemise et de ton chapeau, t'as une vache à traire. Non, 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 mais attendez, parce que quand on voit comment certaines personnes sont habillées ici, je pense qu'on s'en tire plutôt bien. C'est tellement grave qu'ils ont carrément fait une émission. Ça s'appelle les stars de la mode ou les princesses des magasins. Tu veux dire les reines du shopping? Oui! Tout de suite, les reines du shopping! Bonjour à tous et à toutes, nous revenons pour une nouvelle semaine dans les reines du shopping. Cette semaine, le thème, une journée à l'école. Nous allons donc accueillir nos chers professeurs sous un tonnerre d'applaudissements. Je suis professeur de gym et le test Cooper n'a plus de secret pour moi. Je vous demande d'accueillir notre première candidate, Madame Van Coppenol. Je suis professeur de néerlandais et mon autorité n'a jamais été remise en doute, Madame Scaringi. Notre chère professeur d'histoire, Madame Braquier. Fan de tailleur, de fourrure, pour sa grande convivialité, Madame Carillon. Ma vie se résume à la philo, le vélo et les carreaux, Madame Monfils. Mais où est Madame Monfils? Sorry, mon pneu de vélo a crevé. Et enfin, la plus belle, la majestueuse, Christina Cordula. Voilà, merci à toutes. Madame Carillon, vous pouvez commencer à défiler. Alors déjà ma chérie, c'est pas du tout moderne. Aïe 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 aïe, c'est même raison. Il faut absolument arranger cette coiffure ma chérie. Le look n'est pas en accord avec ton âge, ça a pas la tête ou quoi? J'aime pas trop tes chaussures, ça fait un peu snob. J'aurais mieux vu une petite paire de Converse et talons, comme moi. Je t'emmènerai voir à Charleroi. On est vraiment pas du même bled. J'aime assez ton look Louis XIV. Pour braquer, c'est l'histoire, toujours l'histoire. Tu me fais penser à une dictatrice et ça met pas ensemble à l'air tes nichons. Hein. C'est parce que tu as des talons, tu te prends de haut comme ça. De toute façon, elles savent pas de quoi elles parlent. Et comme dit Cicéron, que chacun s'exerce dans l'art qu'il connaît. Et visiblement, votre art, c'est pas la mode. Merci Madame Carillon. Madame Monfils, vous pouvez défiler. Pour les saints, ayant réussi l'amalgame de l'autorité et du charme, fin des années 80, moi, Colombie, le Carmican, sachant bien noter sur la gamme, qui va du grand sourire aux larmes, attraper des géants pas noirs, sexy comme autrefois les stars. Ouh là 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 là, ma chérie, les parésies, c'est plus du tout tendance. De la couleur, de la couleur, de la couleur, s'il te plaît, ma chérie. Et c'est dommage pour les chaussures. Par contre, les boucles d'oreilles sont magnifiques, ma chérie. Les motifs, ça fonctionne. J'ai dû passer mes pompes aux migrants, j'ai dû m'acheter des clopes. Hein. Eh, mais c'est une compétition, hein. Des clopes et tes poumons, on va courir, hein. Et dire qu'elle avait arrêté. C'est pas vrai que tu vas travailler comme ça. Écoutez, madame mon fils, j'enseigne la première guerre mondiale, la seconde guerre mondiale, mais là, avec votre look, vous êtes en train de me créer la troisième. Pour maîtriser tes cheveux, j'aurais mis un petit headband, comme moi en fait. Écoutez, les goûts, les couleurs, ça ne se discute pas, hein, mais les miens sont mieux. Merci madame mon fils. Madame Van Coppenol, vous pouvez défiler. Eh mais ma chérie, mais qu'est-ce que tu m'as fait là? C'est quoi ce boule et ce pantalon bien trop large? Ça te fait une morphologie en haut tout écrasée, ma chérie. Et excuse-moi, mais l'arbitre en beauté, tu l'as laissé au vestiaire ou quoi?
chaussures courtes avec du gel, j'adore. En fait, elle kiffe que quand ça lui ressemble. Ample, 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 c'est vraiment tout ce que j'aime. Mais je trouve qu'il fait chaud ici, on pourrait pas ouvrir une fenêtre. En plus, ça sent les parents et tout. Et on te respecte quand tu enseignes? Enfin, c'est pas très grave, c'est juste gym, quoi. Moi, je suis à l'aise pour enchaîner Tess Cooper, saut hauteur et 500 mètres l'âge libre. Pas un bêche. Merci, merci madame Coppenole. Madame Braquenier, vous pouvez défiler. Chérie, c'est pas du tout moderne et un chouïa trop large. Mais le grand problème, c'est la mise en beauté. Elle est inexistante. Désolé ma chérie, mais ton look est historique. J'aimais ton défilé à fond, t'es vraiment une belle personne. Ça, ce sont de très bonnes chaussures pour marcher, ce que tout le monde devrait porter. Ça me fait penser à un célèbre texte de Sartre. Ah oui, la nausée. Cette journée fait aussi marrante qu'une journée à Brenne donc, hein, une fois pas deux. Merci madame Ragnier. Madame Scarinci, vous pouvez défiler. Son shopping à Charleroi, on voit que c'est cheap. Et désolé ma chérie, mais les Converse à talons, c'est vraiment pas possible. Le look n'est pas en accord avec ton âge, et pour la mise en beauté, j'aurais plus soutenu le regard, parce que là, tes yeux, ils se sont perdus. Alors là, t'es bien pour aller à l'école, mais en tant qu'élève, hein, j'aurais plus mis du noir avec des petites touches de fluo. Toujours aussi sympa, madame mon fils. Sinon, l'autorité, ça se passe comment? Tout à fait d'accord avec madame mon fils. Ça ne va pas du tout. Ton look, c'est la Bérésina, la guerre de grande bataille, Nagasaki. Vraiment trop, trop, trop de stress. Merci pour vos commentaires, Michel. J'en prendrai bien compte. Merci à toutes. Christina, vous pouvez vous avancer pour prononcer la grande gagnante de cette semaine. Alors, tout d'abord, mes chéris, merci pour cette semaine autant couleur. La grande reine du shopping de cette semaine est... le présentateur, et oui, pull, jeans, basket, c'est parfait pour aller à l'école, ma chérie, félicitations. Bienvenue le soir, danser sur des airs de guitare, puis tu bouges. Tu fais quoi, toi, là? Bon, tout d'abord, vous allez me vouvoyer. Ensuite, je suis là pour présenter le sketch suivant, intitulé « T'as dit quoi ?» T'as dit quoi? Vous voyez? Bien sûr que je vois. J'ai des yeux, pourquoi? Et après, ça va bouger, bouger. C'est moi qui ai la qualification pour parler de ça. Hé, mais si, dégage, allez, va. Maman, j'ai réussi mon bulletin. Jigiribili, junior, soulève-moi cette tête-là. Hé, des échecs, eh? J'étais nourrie, c'est comme ça que tu me remercies? Pardon, maman. Pardon. Choisis ton destin. Tu seras privée d'existence. Ah. Oh, ma chérie, Francine de la Marquise. Cet échec, c'est pas tant que ça, tu te rattraperas. Ah, les enfants. Les enfants? Moi, je m'en fous. J'ai dit d'étudier, elle ne veut pas. Pour réussir, il faut étudier, étudier, étudier. Non, il faut étudier, mais avec modération. Hé, hey, tu as dit quoi là? Modération. Comment tu connais mon cousin? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Zoba, veuillez, mademoiselle, avoir l'amabilité de parler poliment à ma chère et tendre mère. Attends, t'as dit quoi? T'as dit quoi là? Franchement, on n'est pas venu ici pour s'embrouiller avec les Guillaume là. Eh oui, chérie publique, nous sommes venus ici pour vous présenter. T'as dit quoi? Bonjour et bienvenue sur le plateau du jeu T'as dit quoi? Dans ce
l'équipe élève sera représentée par Kevin Couture et Jérémy Petron. Une personne portera un casque insonorisé et son partenaire devra lui faire deviner des mots, mais seulement en articulant. Donc, c'est parti! Et c'est parti! Chopin! Ta mère. Sapin. Sapin. Ta mère. Sapin. Sapin. Je sais pas. Sapin. Sa mère. Sa mère. Sa. Sa. Pain. Belle. Pain. Waouh, c'est bon. Chanson. Chanson. Sanson. Chanson. Sans faux. Chanson. Chanson. Dans. Son. Dans. Et c'est terminé. L'équipe élève ne remporte aucun point. C'est parti! Déjà, je vois pas. Lettre. 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 Les nœuds. Les nôtres. Lettre. Lettre. Je ne comprends rien. Vas-y. Livre. Livourne. Livre. Celui qui souffle derrière, il ne souffle pas bien. Livre. Vas-y, vas-y. Livre. Livre. Et c'est terminé pour cette manche, c'est l'équipe professeur qui gagne. Pour cette deuxième épreuve, sur les oreilles avec des marshmallows dans la bouche. Celui-ci devra chanter la musique qu'il entend pour la faire deviner à son partenaire. Chihuahua! Chihuahua!
trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass, no trouble. I'm all about that bass. Alors que son coéquipier devra danser sur la musique qui se joue dans la salle afin de la lui faire deviner. Ben, qu'est-ce qu'il y a? Tu dois faire pipi? Non, j'ai trop envie de danser. Ah oui,
C'est n'importe quoi. Hein. T'aimes pas? Ah non, j'aime pas. J'aime pas du tout. Bon, c'est tout, stop, maintenant. On laisse la place aux pros, parce que maintenant, rien que pour vous, bande de vénards, c'est électrochaud. Madame Van Coppenhove,
l'école. Bien, bonjour les petits gars. Alors, test Cooper, 40 tours, 12 minutes, et 30 secondes de vestiaire, et pas une seconde de plus. Voilà. Et pour Madame Carillon. Je voudrais les élèves qui étudient leur vocabulaire et leur déclinaison. Ce sont quand même des points gagnés, non? Et pour Monsieur Delcide? Oh, une classe sans élèves, hein, vu la qualité de leurs réponses. On va vous montrer ce que c'est notre classe idéale. Tout de suite, la classe idéale! Bonjour à tous, installez-vous et sortez vos livres d'histoire à la page 69. Ah, 69 déjà, monsieur? Oui, Natacha. Bien, nous allons donc entamer un nouveau chapitre du cours qui est la révolution industrielle. Et pour commencer, qui pourrait me dire où celle-ci a débuté? Tonton. Personne? Eh bien, c'est au Royaume-Uni qu'elle a commencé au... 19e siècle! Excellent, Félicien. Effectivement, au 19e siècle, avec la construction de la première ligne de chemin de fer reliant Liverpool à Manchester. Calmez-vous, calmez-vous, voyons. On n'est pas au marché ici. Entrez. Salut Natacha. Salut Camille. Fiche de moi ou quoi? Dis-toi, pourquoi es-tu en retard? Un blaireau avait garé sa voiture de bouche sur mon scooter. Je te dis pas comment j'ai rangé sa caisse. Oui, c'est cela, c'est cela. Asseyez-vous. Quoi encore? Entrez. Excusez-moi, un prolétaire a griffé ma Bentley. J'ai dû rappeler mon chauffeur. C'est cela, Charles-Henri. Asseyez-vous et sortez votre cours. Oui, Félicien? Monsieur, vous avez corrigé les interros? Ah, effectivement, je les ai corrigés. Merci de me le rappeler, Félicien. Oh non. Bien, j'ai vos points devant les yeux. Commençons. Natacha, 9 sur 20. Vous êtes sûr, monsieur? Moi non. Bon, allez, disons 10 sur 20, mais c'est bien parce que c'est vous. Je pense que c'est vrai. Simon, 3 sur 20. 3, comme le nombre de mois avant le Tour Festival. Douré. Charles-Henri, 10 sur 20, juste la moyenne. Oh, regardez, quelqu'un malencontreusement laissé choir une liasse de bière au pied. Bon, allez, disons 15 sur 20 et n'en parlons plus. Martin, 8 sur 20. Ah oh ouais, 8, ça va faire remonter ma moyenne, ça. Parce que vous pensez vraiment que ce sont de beaux points, ça? Écoutez, monsieur, je ne pense pas qu'il y ait de bons ou de mauvais points. Si je devais résumer ma scolarité aujourd'hui avec vous, je dirais que c'est avant tout des rencontres. Des gens qui m'ont tendu la main à un moment où je ne pouvais pas, où j'étais seul au fond de la classe. Parce que c'est assez curieux de se dire que les hasards, les rencontres forgent une destinée. Parce que quand on a le goût de l'étude, quand on a le goût de l'étude bien faite, le beau geste, parfois on ne trouve pas l'interlocuteur, je dirais le miroir qui vous aide à avancer. Alors ce n'est pas mon cas, moi, puisque je vous l'ai dit auparavant, j'ai pu et je dis merci à la vie. Je lui dis merci, je chante la vie, je danse la vie, je ne suis qu'amour. Et finalement, aujourd'hui, quand beaucoup de gens me demandent « Mais comment fais-tu pour avoir ces points ?» Eh bien, je leur réponds « C'est justement ce goût pour l'étude. » Et c'est ce goût donc qui, aujourd'hui, m'a permis d'entreprendre des études littéraires, mais qui sait demain, peut-être, me mettre au service de l'association de parents et faire le don de soi. C'est cela, oui. Eh bien, puisque vous avez l'air d'apprécier les belles envolées lyriques, que diriez-vous d'améliorer un peu votre orthographe? Après tout, ce n'est pas parce que je suis prof d'histoire que je ne peux pas me permettre de faire une dictée. Allez hop, sortez tous une feuille, dépêchez-vous. Oh yes! Ça faisait longtemps. Oh chouchou! Oh, oh c'est bon. Oh oui, je peux pas donner! Moi je vais faire, les... Bien, vous êtes prêts? C'est parti. À bâbord, la forêt où s'amasse la verdure. Ouais, trop fort, l'année prochaine, c'est Guindaille en Namur. La brume a de beaux éloges et la rouge pénombre derrière. La brune a de beaux éloges et la rouge a d'énormes grilles. Lapidée au ras de la terre par le choc du tirant d'eau. Oh, regardez à terre, voilà les sociaretos. Les berges ont l'aspect et l'air même d'une cité à l'après-guerre. Eh merde, j'ai oublié d'acheter mes tickets pour Werther. Et le vent est lancé, s'en ira sans tonner. Et le vent que j'ai lâché sentira dans ton nez. Ah, oh, monsieur, Jordan a
répéter. Oh, c'est une guerre pour toi. Bon allez, ça suffit, ça devient n'importe quoi là. Dépêchez-vous, faites passer vos feuilles devant. Allez, c'est terminé. Monsieur, c'est pas fini. Ça ne veut rien dire. Seth, ce texte n'a aucun sens. Et en plus, c'est un niveau de primaire. Ce n'est guère élevé comme niveau. Ouais, j'ai peut-être juré. Ouais, mais c'est pas fini. Donc on n'aura pas tous nos points. Eh hey, les gars, moi si j'ai pas les points, c'est fini le festival, hein. Festival, espèce d'illettré. Reste mignon, Binoclard. Oh, ça va, tout le monde peut se tromper. Oh, attendez, c'est la rame, c'est dit ça. Bon, ok, tout le monde reste calme, hein, tout le monde est calme. Ne paniquez pas, ne paniquez pas. Est-ce que je panique, moi? Bon, ok, dépêchez-vous, dépêchez-vous. Tout le monde se lève, dépêchez-vous. Suivez-moi, allez, vite. Ça fait que trois fois cette semaine. Bah les gars, n'oubliez pas, on est à Vermouth. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour madame, suis-je bien chez Madame Anneau? Non, pas du tout. Eh bien, tant pis. Anno, that is not a dream. Mais oui, bien sûr. Et quoi, vous n'avez pas d'autre idée? Ah, mais si. D'ailleurs, plus tard, j'aimerais être chanteuse. Ah, mais quel beau projet, dites-moi. Voulez-vous entendre une de mes compositions? Allez-y, mais vite fait, j'ai pas le temps à perdre. Libérée, délivrée, c'est des cieux. Attends, j'en ai assez entendu pour aujourd'hui, hein. Au revoir. Service après-vente, bonjour. Oui, bonjour madame. Dites, j'aimerais parler à tous les Bermoutiens. Est-ce qu'ils sont là? Mais je pense bien. Est-ce que vous êtes là? Oui. Je ne vous entends pas bien. Est-ce que vous êtes là? Oui. Vous voyez madame, nous vous écoutons. Eh bien voilà, j'ai un super scoop sur les profs de Bermouth. Je ne vous crois pas. Si, si. Il paraît qu'ils ont une vie en dehors de l'école. Mais non, c'est pas possible. Étonnant, n'est-ce pas? Tout à fait. Mais du coup, savez-vous qui sont réellement nos profs? Eh bien, pas du tout. Eh bien, découvrons-le tout de suite avec la vraie vie des profs. Qui que je sois, fondement, je ne serai jamais jugé que par mes habitudes. Je viens de terminer l'examen de juin. J'ai mis un peu de tout, hein. Des questions mal énoncées, des labos non vus, des questions piégées. Enfin, vous avez compris que mon examen est une compétence. Mais comme le disait mon grand-père, c'est enseignant les élèves qu'on devient enseignant. Andy, Andy, Kev, bien sûr, Kev. Zestinger Out, Ikon Eugy, Ikan Arsene Berkan, Ikev Dribourg. Bon, cette année, il faut se servir de la chaîne. Tout est perdu, tous les programmes, il n'y a plus rien, tout est parti à la corbeille. Voilà, bah, c'est une place comme à l'école, non. Il n'y a plus rien. Tout part d'année en année, programme, il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. On va finir par obtenir un diplôme gratuit, sans rien faire. Non, madame, non, c'est pas possible. Allez-vous-en. Monsieur, il faut signer une pétition. Mais. Notez ici, notez. C'est pas la même, vous pouvez pas nous tester ici, madame. Si vous en allez. Mais j'insiste. Non, mais dégagez. Que vais-je bien pouvoir mettre aujourd'hui? Chérie, tu peux enregistrer le dernier épisode de Toute une histoire pour moi, s'il te plaît? Et Stéphane Bern aussi, j'adore son charisme. Avec mon ami Lionel.
J'ai composé cette musique pour rendre hommage à mon cousin qui est parti il y a 3 ans. Et je vous laisse la découvrir. Je t'ai pardonné, les rancœurs, le temps les a effacées. Où es-tu passé? Je t'ai cherché, on dirait bien que la mort est passée. Comment vais-je faire? Tu me rendais heureux. Reviens-moi mon frère, les larmes coulent de mes yeux. Comment est ton paradis d'enfer? Ici on se porte bien, malgré ton absence. Mais je te raconterai tout, un peu de patience. Oui ça y est, c'est fini. Je regarde par la fenêtre, t'es parti. Je me sens à découvert, sans toi j'ai remué ciel et terre pour te revoir. Mais je peux rien y faire, c'est pas en mon pouvoir. Tu ne sais pas ce que je ressens, humides sont mes yeux. Je pleure des larmes de sang, je crie vers les cieux. Oui mon frère descend, on était si bien à deux. On a vécu des années folles, je repense à ces moments, à toutes ces heures de colle. J'en rigole quand j'en parle à ta maman. Où que tu sois, je suis avec toi. Dans tous les cas, je te promets qu'on se revoit. Pourquoi t'as-t-elle pris? Tu me manques, le jeu est fini. Où est ta planque? On n'a jamais fait semblant, on a tout tenté. Par les parents, on s'est fait attraper. Mais j'ai l'impression que c'était pas assez. Reviens-moi une seule journée, une seule heure. Du temps est passé, mais j'ai toujours autant mal au cœur. C'est depuis que ce fameux Philippe Etchevest est arrivé ici. C'est vraiment une plaie celui-là, il sert strictement à rien. Chut! Il arrive. Alors les Tarlouses, vous avez fini vos plats? Oui, chef. C'est quoi? Du poisson? Mon Dieu, t'as pas belle mine, hein? Alors, franchement, tu sais ce qu'on dirait? De la pâté pour chien. Tu sais quoi? Dégage. Quand tu seras fait du poisson, tu pourras revenir. C'est honteux! On se calme. Et toi, c'est quoi? Une sauce au poivre, chef. Ah. On va goûter. Franchement, hein, c'est dégueulasse. Mais c'est infect. Je sais pas où t'as appris à cuisiner, mais on dirait du vomi. T'as goûté ton plat? T'as pas goûté. C'est la base en cuisine. Toujours goûter ses plats. Goûte! Stop! Mais vous faites quoi, là? Mais cauchemar en cuisine? Mais c'est pas ça, les gars, vous vous êtes trompés. C'est quoi, là? Mais c'est cauchemar en réto, on n'en veut pas ton plat pourri. Allez, c'est tout de suite, vite, vite! Bonjour, asseyez-vous. Alors, aujourd'hui, comme à tous les cours, les mitochondries. Alors, les mitochondries, ça vous parle? Allez, la glisse, ils doivent quand même bien savoir, hein? Bah non, pourquoi toujours nous aussi? Thomas! Quoi, je sais pas. Louis, alors? Demande à la petite excitée, là, hein? Oh, ben, Pauline! Les mitochondries, c'est ce qui apporte de l'énergie à la cellule, monsieur. Ah, ben voilà! Enfin, une pour sauver. Sorry? Enfin, une pour sauver la classe, alors, évidemment. Les mitochondries. Let's go. Can you repeat? So, this is what brings the energy to the cell. Thank you! Always a pleasure! Oh, mais on en a marre de ces noms. Tellement. Je sais pas vous, mais moi j'en ai marre de ces langues, je sais pas quoi. Je me casse. Oups! Bon, ben on va pouvoir reprendre, c'est pas grave. Hein. Donc je disais, on va vu les mitochondries, maintenant on va voir le noyau. Oui, quoi? Bonjour, bonjour, bonjour à tous! Bonjour, madame de la B. Bonjour! Bon, je suis là pour les latinistes. Je viens vous annoncer que nous partirons en excursion visiter le musée des livres d'apprentissage de latin à travers l'histoire à la Bouverie.
se passera ce vendredi après les coups. Mais on est vendredi. Chut. Le vocabulaire. Bon, allez, je vous laisse avec Monsieur Milos. Ah oui, merci madame. Oui, j'ai d'autres chats à fouetter. Oh la bonne vanne. Bon, cette fois on va pouvoir reprendre les amis, c'est très simple, on a fait le noyau. Maintenant, oh quoi? Sorry, Menir Bilos, Marc, j'ai une information à faire passer. Just, vous les langues, j'ai vos points à SSFL. Un toast nul, aucun automatisme. Et vous vous dites en option longue, je vous ai déjà dit de noter vos fautes sur des post-it. Et y a moyen de se taire. Ok, c'est bon. Vous préférez parler? Je m'en vais. Oui, bon, ils ont bien compris, ça va. Allez, relevez-vous, ça va, c'est pas grave. Alors, le noyau. Quoi? Bonjour, bonjour, bonjour les enfants, je viens pour les présents. Non, c'est fini, stop, c'est bon. Madame, j'ai pas encore signé mon papier majeur vacciné. Bah depuis le temps que t'es là, t'aurais déjà pu me faire signer depuis longtemps. Hein. Oui, bon merci, ça va. Elle est très bonne, Pauline. La blague. J'avais oublié les enfants, je vous ai fait des crêpes. Non, pas les crêpes, non, je revenais. Ah, je m'en vais, moi. Et Pépé, le bateau est parti, là, vous êtes dans l'eau.
Mais allez, madame, s'il vous plaît, c'est pas pour une fois. On n'arrivera plus en retard, promis, juré. Bon, d'accord. Vous allez vous asseoir, mais en silence. Merci. Ah, merci. Donc, par abus de langage, nous dirons que... Madame, ça veut dire quoi, par abus de langage? Voyons, Célina, c'est pourtant du français. C'est clair merci comme de l'eau de rose. Posez des questions intelligentes pour une fois. Bon, Blandine et Lara, c'est le dernier salon où on cause ici. Je vais finir par vous séparer si vous continuez à palabrer comme ça. Il y a un problème. Mais, bon, vous allez vous rasseoir immédiatement et j'exige que quelqu'un vienne me noter au tableau la primitive d'X carré. Moi je sais, madame. Tu peux venir aussi. C'est mauvais. 1, 2, 3. À qui le tour? Bonjour madame Estoré, vous allez bien? Oh oui, ça va, et vous? Ça va. Allez, bon cours et bonne journée. Merci. Salut cousin. Bonjour Lédé, vous allez bien? Oh tranquille. Ah, je vois que vous êtes pas beaucoup aujourd'hui, hein. Comme d'hab, frère. Bon, pourquoi les bons élèves sont jamais là? Il y a que des cancres. Eh ouais. Bon, alors premièrement, les présences, deuxièmement, les prépas. Bon, vous avez pas fait au prépa comme d'habitude? Comme d'hab. Bon, alors on va commencer. Marie-Anima, elle est où? Sûrement partie se remaquiller, celle-là. Silence, aux enfants. Bon, alors, Cyril Burio, est-ce qu'il est? Je sais pas, Cyril. Et Guillaume, c'est quoi encore? Tu fais quoi, l'excuse? C'est ou quoi? Tu fais quoi? J'étais en train de... Bah, chercher un Pokémon. T'as trouvé? Non. T'es moi, y'en a un là. Oh ouais! Allez, tiens! Ah, bon, Guillaume, c'est toi. Allez, hein! Belle prise, cousin. Bon, Loïc Clou, il est où? Ah, je sais, il est en tournoi, à Malte cette fois-ci. Au Madagascar, quelque chose comme ça. Il est en train de chasser les zèbres. Ouais, démarre. Désolant. Bon, Léonard, Van Botterdal et Loïc Drouba. Ils sont là. La 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 la. Life is life! Guillaume, on avait dit quoi? Tu calmes, oh! Non. Excusez-le, c'est pas de sa faute, il est né comme ça. Arrête. Clara Delattre, je la vois pas, laisse mon femme dans le bus. Oh, Guillaume, on avait dit quoi? Tes pilules, tu les as prises? Non. Putain, c'est pas possible. Qui bouffe? Moi, j'arrive jamais celui-là. Arnold, je le vois pas. Monsieur Arnold, il est dans le fond, il faut allumer la lumière. Oh! Beau gosse. Bon, et le nouveau basketteur, là, Alpha, c'est ça? Je sais pas. Encore en train de chercher Peter! Oh, sortez-le! Dehors! Sors! Mais quoi? C'est moi, Steve, allez! Vous êtes chaud, on fait un foot? Bah, tu sais, Corentin, moi, ma passion, c'est la piscine! Allez, piscine! Et comment on peut aller à la piscine sans son tube? Bon, bonjour, Laurent, ça va? Ça va, et vous? Bah non, je vais avoir les 6B, ils sont bruyants. D'ailleurs, t'aurais pas du C6H4O6? Ah non, désolé. Ah, une aspirine, ouais, j'ai pas ça. Ah, j'oublie toujours le nom, c'est horrible. Bon, bah je dois vous laisser, j'ai piscine, hein. Prenez votre cours, page 4. Madame, la réaction, c'est en lui acide ou basique? Une minute. Madame, si c'est en acide, c'est H+ ou OH-? Madame! La réaction, c'est avec du chrome ou du chlore? On distingue pas voile de voile. Oui, madame. Tu ne me vois pas? Oh. 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 Est-ce que tu m'entends, eh oh? Est-ce que tu me sens, eh oh? S'il te plaît, réponds-nous, eh oh. 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 Le krypton, le néon, je prends mon tableau. Après le césium, le calcium, je cherche le sodium. Elle demandait le chlore, est-ce que tu cherches avec moi? Oui, c'est bien le 22 à côté du 23, comme d'hab. J'ai pas étudié, je vais quand même faire péter. Mais je vais avoir pendant une heure avant de m'installer. J'ai étudié depuis le temps où passe un grand pour un savant. Vas-y, dis-moi pourquoi tu mens, on vient de le voir à l'heure d'avant. On réserve les places près des intellos. Un match, je me rends compte que j'ai perdu mon stylo. Hein, personne se lance, plus de blanc que d'ambiance. Comme d'hab, aucun mec n'aura la balance. Pas d'accord pour tes points, va voir Madame Bastin, c'est la bonne réponse, hein?
Non, c'est celle du voisin, comme d'hab. On la bouffe parce qu'on a la dalle, comme d'hab. L'examen va nous faire très mal. Y'a plus de temps, l'interro est terminé. De toute façon, je suis quand même pété. Ah ouais, la chimie, c'est bon, m'a pas posé. T'appelles calculette? En sortant, je vois une meuf endormie qui galère, elle me dit. Vas-y, Arnaud, file-moi la petite réponse, frère. À nos interros de fou. À nos interros de fou. Après tout, on s'en fout. Après tout, on s'en fout. Si on met tout à faire, on fait la même, on fait la même, c'est sûr. Comme d'hab, comme d'hab, comme d'hab. À nos interros de fou. À nos interros de fou. Après tout, on s'en fout. Après tout, on s'en fout. Si on met tout à faire, on fait la même, on fait la même, c'est sûr. Comme d'hab. Je sais pas vous, mais moi, comme d'hab, basta, m'entends pas. Comme d'hab, on s'en souviendra, et si t'es comme moi, tu n'y en voudras pas assez. Comme d'hab, je sais pas vous, mais moi, comme d'hab, basta, m'entends pas. Comme d'hab, on s'en souviendra, et si t'es comme moi, tu n'y en voudras pas assez. Terribles épreuves. Tout de suite, total blackout. Bonsoir et bienvenue à notre terrible jeu, Total Blackout. En effet, nous avons eu la merveilleuse idée de revisiter cette émission afin d'en faire frémir certains et d'en faire rire tant d'autres. Nous avons donc mené notre petite enquête afin de savoir quelles sont les phobies de certains professeurs, mais aussi de certains élèves. Je vais donc appeler sur scène Geneviève l'escalier, Apolline Wampreuse, Monsieur Gears, notre cher proviseur, et Madame Denis. À notre réto qui se dévoue, à mon réto, Madame Denis n'est pas là. On va appeler Pauline Esquer. Principe de Total Blackout, les candidats auront les yeux bandés et devront trouver un objet au sein du bac qui se trouve devant eux. Une seule règle, ne pas sortir la main du bac. Ils disposent de 45 secondes. Nous allons pouvoir commencer le premier bac. Vous pouvez vous lever. Attendez un instant. Attendez. Continuez-nous.
C'est vivant. Tu prends la mémoire. C'est un truc vivant. Qu'est-ce que c'est? Allez, monsieur, encore 5 secondes. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? On se dépêche. Allez, on lui accorde encore 5 secondes. Mais je ne trouve pas d'objet, je ne trouve que des trucs vivants là-dedans. Franchement, dommage, c'est perdu. On peut quand même applaudir bien fort. On va essayer de retirer les sauterelles sans qu'elles s'en aillent sur la scène. Voilà. Et on peut encore applaudir bien fort, monsieur Geert. C'est au tour de madame Denis. Salut, c'est Van Damme, hein. Bon, j'adore la vie. Comme j'adore la vie, j'adore l'eau, hein. Mais pas que, hein. Bon, la piste de montagne, j'adore ça. Bon, j'adore écouter les gens chanter. Dans la vie, faut penser à F tout. Je dois être un chanteur, je dois être un acteur. Une fois que tu commences à penser à F tout, tu te dis, je dois believe to believe. Tu dois faire confiance à la confiance, hein. Et c'est à ce moment-là, tu deviens confiant, hein. Bon, c'est ce que Lumna l'a fait. Elle s'est dit, moi, je veux être une chanteuse. Maintenant, je vous laisse, hein. J'ai un tournage, on va faire plus sport, on va faire des marchés, je vous laisse. Salut, hein. Ah.
semblez un peu fatigué ici, hein. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Vous êtes fatigué. On n'est pas fatigué. Alors, est-ce que les rétos, les anciens rétos, est-ce qu'ils sont là? Ouais. Pas mal, pas mal. Et les parents, est-ce qu'ils sont là? Oula, 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 oula. On va refaire, on va refaire. Est-ce que les anciens rétos, ils sont là? Très bien, très bien, très bien. Et les parents, est-ce qu'ils sont là? Oui. Les parents, est-ce qu'ils sont là? Oui. Et Berwoods, est-ce qu'il est là? Oui. Ah, excellent. Merci, Léo. Merci. On a un scoop de malade. C'était à moi de le dire. Ok, vas-y, vas-y. Bon, vous êtes prêts, j'espère, parce que... Il paraît que Madame Zoutard, dans son jeune temps, était majorette. Est-ce que vous imaginez Madame Zoutard majorette? Mais ça, vous le saviez déjà sûrement. Mais il y a quand même des choses que vous ignorez. Des scoops croustillants que vous ne savez pas. Et on les trouve où, tous ces scoops? Dans le journal, bien sûr. Tout de suite, le journal de Berwoods. Berwoodsien, Berwoodsienne, bonjour et bienvenue dans notre légendaire journal du show des rétos, édition 2015-2016. Vous saurez tout, potins, surprises, anecdotes et bien plus encore, alors restez avec nous. Première actualité de notre journal. Et Margot, tu savais que Madame Scaringi avait été élue Miss Italia Charleroi, toi? Ben, c'est une blague. Non, non, je t'assure, c'est pas une blague, un vrai défilé. Un peu comme Miss Mons, quoi, tu vois le genre. Nous sommes allés à sa rencontre afin d'en savoir un peu plus sur cette mystérieuse élection. Madame, comment avez-vous vécu cette expérience et surtout cette victoire? Bah, j'ai rencontré des Carolos super sympas. C'était vraiment terrible. Comment en êtes-vous arrivé là? Ouh, j'ai mon petit sans avec toutes vos questions. Oui, je retourne en baraque, je termine ma bière. Bonne continuation, Madame Scaringi. Continuation. Madame mon fils, quant à elle, continue d'entretenir une relation privilégiée avec le PDG Decathlon. En effet, celui-ci lui fournirait ses nombreux pneus vélos gratuitement. Et maintenant, laissons place à la rubrique ceci. Vous avez déjà tous probablement déjà vu au moins une fois dans votre vie ce petit bonhomme vert que nous rencontrons tous à Noël, le Grinch. Saviez-vous qu'il arpente les couloirs de l'école tous les jours? Voici la preuve en image. Petite pensée pour Madame Bianchi qui n'est malheureusement pas là aujourd'hui. Saviez-vous qu'elle consacre une partie de sa vie aux Simpsons et plus particulièrement au personnage d'Eleanor Abernathy? Madame DeVos vous avait caché des choses. Tout d'abord, avant d'être éducatrice, elle est en réalité actrice. Et oui, vous la reconnaissez tous dans Scary Movie. Monsieur Herbal, n'avez-vous jamais eu l'impression de l'avoir déjà vu quelque part dans votre vie? Mais, Madame Nicodème, qu'est-ce que vous faites là? La biopsie du bleu spectorial permet le prélèvement pan-vaginal de ma cellulaire d'origine foetale. Ça va? Ça va? Vous avez compris? Ça va? Vous n'avez pas le droit d'être ici, on est en plein journal. Oh, ça va, ça va, je m'en vais, ça va, ça va. Si vous ne le saviez pas encore, des élèves ont relevé 67 fois le nombre de « ça va » que Madame Nicodème pouvait enchaîner en seulement un cours. Dis Claire, rien à voir avec Madame Nicodème, mais t'aimes bien le métal, toi? J'ai une tête à aimer le métal. Pourquoi tu me demandes ça? Tu serais bien étonnée de savoir quel prof est fan de ce genre de musique. Ben, dis-moi qui. Tiens, regarde. Petit message pour notre chère Madame DeVos. En première, lorsque nous vous croisions dans les couloirs, nous étions vachement intimidés par votre charisme, votre autorité. Bonjour Madame Nicodème. Bonjour Monsieur Olivier.
Excusez-moi de vous déranger, mais est-ce que vous pouvez me signer mon cahier d'avis parce que j'ai fini plus tôt aujourd'hui? T'as été voir un autre saut de meunier, j'espère? Ouais, il m'a dit que je pouvais être licencié. Vous pouvez me le mettre en... Pas de soucis. Une signature. Merci. Au revoir et bonne journée, madame. Également. 6 ans plus tard, tout a changé. Hé hé, quelle passionnante! Ça va, vous êtes? Ouais frère, tu sais pas mettre un petit coup de bique ici parce que là j'ai mon bus à prendre et... Il me semble ça toujours à toi, Pierre. Ouais mais je dois vraiment y aller, tu sais pas, vite me mettre un petit coup de bique. Allez, je suis gentil. Allez, vas-y. Tu remets la bise à Karine, Josepha et Louis, ça va? Et à Félicien. Salut la cousse, salut, salut. Nous sommes toutes obsédées par le charme de Monsieur Furdus, son corps, ses abdos. Margot, faudrait penser à calmer un peu tes hormones. Fufu nous a avoué une information de la plus haute importance. En effet, il regarderait des films pornographiques des années 20 pour le côté historique. Nous savons maintenant de quelle manière il cultive son obsession pour la Grèce antique. Oh, le coquin! D'ailleurs, en parlant de profs qui font chavirer les cœurs, vous en connaissez d'autres? Bien sûr que oui. Si je vous dis Madame Dutkoviak, ça vous parle? Pour que les élèves apprennent le français dans les meilleures conditions et surtout réussissent leur édito et sortent avec un mal de tête. Hop hop hop, tout le monde, c'est mon travail, qui vient présenter son édito? L'album photo de Bergwood. Vous les reconnaissez? Copines à l'école, mais aussi dans la vie, Madame Finet et Madame Monger ne se sont plus jamais quittées. Le saviez-vous? En plus d'avoir sa sœur Jeannette dans l'école, Madame Gondry a aussi son petit cousin, et oui, Simon Vaner. Attendez les filles, 30 secondes, on communique une information inédite du monde de la mode là. Pour sa collection hiver 2016-2017, un nouvel ange tout droit descendu de Bergwoods fera son entrée chez Victoria's Secret. Il s'agit bien évidemment de Madame Fontaine. Non. Ah oui, Madame Brackney, je sais que la Première Guerre mondiale est bel et bien finie. Dernière actualité de notre journal. Oh les filles, je suis toujours pas remise moi de vendredi passé, hein, c'est abusé. On a tapé soirée au quartier latin jusque 4h du matin, je dis pas comme les rétos étaient chauds. Hein. Et vous savez quoi? J'ai LE scoop de l'année. Devinez qui s'est pointé à la soirée? Qui ça? Bon, les filles, ça suffit maintenant, on peut continuer? Vous oubliez souvent que les profs, eux aussi, ont une vie à côté de l'école. Vous les imaginez sûrement tous en train de corriger leurs copies jusqu'à des heures interminables. Mais en réalité, ce n'est pas tout à fait exact. Et c'est déjà maintenant, sur ces belles paroles, que nous clôturons l'édition 2015-2016 du journal de Bergwoods. Nous espérons que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie et on vous dit à l'année prochaine. Et tout de suite, Haunted by Lucy.
Des prix. Hein. Bon, j'avoue, sur ce coup-là, t'as quand même raison. Attends, tu viens de dire que j'avais raison? Non, tu sais bien que j'ai toujours raison. Ouais. Il est là. Oh là là, mais qu'est-ce que je disais maintenant? Ah, ça y est. Ah. Je disais qu'il était vrai que certains professeurs pourraient même être dans le prochain Guinness. De quoi? La bière? Mais non, pas la bière, imbécile! Oh, on reconnaît ta vraie nature, toi, hein? Vraiment pas culturé, ce nouveau président, hein. Ouais, culturé. Enfin, en tout cas, toi, t'auras sûrement pas le prix du meilleur élève, hein. Prix. Tu ne parles que de ça. Ben, oui, c'est normal. De quoi c'est normal? Ben, ce qui se passe là derrière. Mais explique-moi, je comprends pas. Quoi? C'est là, maintenant, tout de suite? Ben, oui. Là, tout de suite. Oui. Et tout de suite, la traditionnelle... cérémonie des awards. Anciens rectos, chers parents, chers professeurs, bonjour à tous et bienvenue à la traditionnelle cérémonie des awards de l'Athénée Royal Marguerite Berthouse. Chers professeurs, vous demandez tous ce que vos élèves pensent de vous. Et vous, chers parents, vous aimeriez certainement savoir si votre enfant a été élu comme l'élève le plus drôle ou le plus bavard. Nous aussi, et pour cela nous avons sondé enseignants et élèves, et voici les résultats. Nous allons commencer par vous, les professeurs. Ce qui nous rend fous, nous, les élèves, c'est le prof qui continue son cours après la sonnerie. C'est vrai quoi? On est prêt à sortir, on se prépare psychologiquement à l'heure d'après, et là, le professeur nous demande de continuer à faire marcher nos cerveaux quelques minutes supplémentaires qui nous paraissent une éternité, une vraie torture. Les nominés dans la catégorie « Le prof qui joue les prolongations » sont... Madame Estoré, Madame Denis et Monsieur Delsine. Et le gagnant est... Madame Denis. Ben oui, comme je joue les prolongations, je ne vous ai pas vu tout à l'heure. En fait, je voulais vous rappeler qu'à la rentrée, on a une interro sur l'humanisme. Vous avez également votre livre à lire et j'aimerais bien vous preniez vos synthèses. Nous connaissons tous cette situation. Interrogation, on a parfaitement étudié, on connaît tout le cours, on est prêt. On reçoit l'interro et là, c'est le drame. Les exercices n'ont jamais été vus au cours et forcément, on rate l'interro. Les nominés dans la catégorie rendez-vous en matière inconnue sont... Madame Fontaine, Madame Bastin et Madame Lété. Madame Lété.
petit mot? Pas vraiment, mais il y a toujours quelque chose qui n'est pas connu, hein. Même pour moi. En tant qu'élève, on a déjà tous rêvassé en classe. On pense à plein de choses, mais surtout, on a essayé d'imaginer la vie privée de nos profs. Alors, nous avons voulu savoir lesquels vous imagineriez bien ensemble. Les nominés dans la catégorie Le couple idéal sont Madame Pirot et Monsieur Loos, Madame Dudkoviak et Monsieur Vincent, et Madame Almise et Monsieur Waken. Et les gagnants sont Madame Dudkoviak et Monsieur Vincent. Je suis pourtant pas du genre à draguer les mamans de mes élèves, mais là j'ai fait une exception quand même. Non, non, merci, juste merci. Nous connaissons tous ce prof qui est un peu comme le journal de l'école. Il est au courant de tout, on ne peut rien lui cacher. Nous avons toujours hâte d'être à la fin du cours pour qu'il nous fasse part de ses plus belles anecdotes. Les nominés dans la catégorie Gossip Teacher sont Madame Despineux, Madame Monfils et Monsieur Furdoche. Et le ou la gagnante est Madame Despineux. Est-ce que vous avez un ragot à nous raconter? Mais je n'ai jamais de ragot, je suis juste... Merci beaucoup. Je tiens les ragots pour madame mon fils. Nous, élèves, ce qu'on aime le plus, c'est quand les professeurs sont drôles. Mais alors là, vraiment drôles. Quand on n'a pas besoin de se forcer à rire pour que le professeur soit content. Ça rend le cours dynamique et on est content d'être en classe. Les nominés dans la catégorie humoriste à mi-temps sont Madame Despineux, Monsieur Delsine et Monsieur Delattre. Et le gagnant est Monsieur Delattre. Malheureusement, Monsieur Delattre n'est pas là parmi nous ce soir, mais nous accueillons sur scène sa compagne Madame Pépin. Est-ce que vous auriez une petite blague? Non, un petit peu plus long, ça vous va? On a le temps? Alors c'est Einstein, Newton et Pascal qui jouent à cache-cache. Einstein compte. Alors pendant ce temps-là, Pascal s'enfuit loin, loin, très loin. Mais Newton, lui, reste sur place, dessine un mètre carré par terre et se met sur le mètre carré. Et puis, Einstein se retourne et dit « Mais Newton, je t'ai trouvé !» Et Newton répond « Mais non, tu as trouvé Pascal !» Un Newton par mètre carré. Dans chaque classe, il y a cet élève qui le matin
met sa farde dans sa chambre et son journal de classe dans la salle de bain. Il est rarement au courant des contrôles et est souvent physiquement en cours, mais mentalement sur une autre planète. Les nominés de la catégorie Tête en l'air sont... Thomas Mathieu, Justin Verset et Lionel Carlier. Et le gagnant est... Thomas Mathieu. Petite cravate, petite chemise, petite robe, cet élève semble tout droit sorti d'un oral et est toujours bien habillé. Il nous étonne tous les jours avec ses tenues plus sophistiquées les unes que les autres. Les nominés dans la catégorie sapé comme jamais sont... Léa Haillé, Lou Le Cire et Alessandro Le Piano. Et le ou la gagnante est... Lou Le Cire. Cet élève qui ne sait pas que l'école commence à 8h15 et qui nous sort toujours les pires excuses. Lorsqu'il manque à l'appel, on sait tous qu'il arrivera tôt ou tard. Il veille cependant à varier les excuses. Le bus, le réveil, les bouchons. Les nominés de la catégorie en temps et en heure sont... Noé Wambreuse, Louis Monnier et Corentin Bolomé. Et le gagnant est... Louis Monnier. Bien sûr, évidemment. Cher professeur, vous appréciez tout cet élève. Ce fameux élève qui fait toujours ses prépas, qui prépare toujours ses contrôles et qui participe toujours au cours avec le sourire. Cet élève rêvé, aussi rare et précieux qu'un diamant. Les nominés dans la catégorie l'élève en voie de disparition sont... Élise Van der Elst, Camille Ouibier et Nino De Vries. Et le ou la gagnante est... Nino De Vries. Profitez des groupes Facebook. Nous avons tous quelqu'un dans notre classe qui passe son temps à faire des blagues et à nous faire rire plutôt que d'écouter le cours. Il est parfois un peu lourd, mais il faut avouer que sans lui, la classe ne serait pas pareille. Les nominés dans la catégorie clown de service sont... Lionel Carlier, Guillaume Delay et Thomas Goudaillé. Et le gagnant est... Guillaume Delay. As-tu une blague? Bien sûr. Vous savez que les girafes n'existent pas? C'est un coup monté. Tous les réseaux voudraient à présent remettre un Noah
prof qui, malgré ses cris, sa voix stridente et son perfectionnisme, nous a motivés, encouragés, afin de vous présenter ce show des Rétos 2016. Nous appelons donc sur scène Madame Évrard. Avez-vous un petit mot pour tout le monde? Je ne suis pas perfectionniste. Et enfin, ce dernier award à notre marraine qui nous a aidés, conseillés et inspirés pour mener à bien cette cérémonie des awards. Nous appelons donc Madame Piette. Oh là là, je suis super émue. Bah, je suis très contente de m'être occupée de vous. C'est un moment inoubliable. Voilà. Ces belles paroles que se clôture la traditionnelle cérémonie des awards. Nous vous disons à l'année prochaine et nous vous souhaitons une bonne soirée. Lionel ? Oui, je suis là. On a oublié un truc super important. Ah bon, quoi ça ? Mais notre ode. Notre ode ? De quoi mais tu parles ? Notre ode à Yolande. Ah, pour Madame DeVos. Oui, notre éducatrice, ça fait quand même 6 ans que c'est notre éducatrice. Ouais, elle nous a été utile quand même un petit peu. De fait. Faut faire quelque chose. Ouais, mais d'abord, moi j'aimerais chauffer le public parce qu'ils sont pas chauds du tout. Ah non, non, non. Vous savez pas aller, non, vous êtes pas chauds. Bon allez, vas-y, je vais vous chauffer. Oh.
Parce que quelqu'un pourrait s'énerver. On verra bien. Si bien on révise pas, on verra bien. Ce que quelqu'un pourrait s'énerver. Je ne sens pas votre musique. C'est quoi? Quoi, vous connaissez pas? Ah non, on connaît pas. Mais ça a l'air bien. Bah c'est la chanson des gâteaux. J'avais entendu parler. Bah ouais, ils ont même fait un clip aussi. Ah bon? J'ai jamais vu. Bah, si vous voulez, on vous montre hein, tout de suite. Ah ouais, allez, bonne idée. Ouais. Allez. C'est parti. Madame Fidel.
face. Dans une autre. Ça fait mal qu'avec Bastien, hein. Même si j'ai rien à becter, je gratterai mon filleul, hein. J'ai toujours pas trouvé mon putain de bloc de feuilles, hein. En possession de bouffe, tous tes potes te grattent, hein. Quelle ironie de couvrir ceux qui se font la mal, hein. Je reviens à bec de maths, direction mon pieu, hein. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce glandeur, hein. On verra bien ce que l'école nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on révise pas. On verra bien ce que l'école nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez Vazen qui est planqué en bas. Et on sera à la bourre en chimie avec Spéconia. Tous en classe avec le rage et des copions qui grillera pas. Être élève c'est fatigant comme revenir d'une veille en boîte. J'ai le vertige quand je pense à tous les cours qui me restent à me farcir. Je suis prêt à me taper l'arrêt de bus. Sauf si tu veux bien conduire, les pots s'affilent. On a pas croisé la préfète et puis raté. On prie pourvu que cette année y'a encore les CAP piratés. Ah, on verra bien. On se sent mou, tout le monde en galère, hein. Nous on s'en fout, ce qu'on veut c'est Lambert, hein. Quand Meunier est présent, dans cette école t'as pas de droit, hein. Y'a ceux qui passent en pète et ceux qui doutent trois fois, hein. Combien de fois j'ai séché par flemme d'avoir mon fils, hein. Mon papa me croit pas, mais c'est la prof qui m'aime pas, hein.
On se fait chier en classe, on attend les 15-20, hein. T'es bordel jusqu'à Rennes, parce qu'elle vient de Charleroi, hein. On verra bien ce que l'école nous réserve. On verra bien, vas-y viens on révise pas. On verra bien ce que l'école nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça gratte, mais quand y'a Giraldo ça rapplique. N'aie pas peur des insultes qu'on se lance. Au fond on est pacifique, on est tous dans les mêmes locaux. Même ceux qu'on n'aime pas trop, car deux heures d'études avec un ton signifie punition rapide. Les jeunes pensent plus à sortir qu'à suivre les cours de dessine. Se lèvent jamais avant midi, surtout pour le cours de mon fils. Pendant que mes copains révisaient, galéraient trop sur mon examen. Oui, je ne pense qu'à m'amuser, mais pour la triche, je suis plus mal. De Vos, de 2015, On n'en a rien à foutre de rien. Bervoot, qui est d'allage. Rien à foutre de rien. Ton cours fonctionne à l'envers, on rame avec l'été. Ils nous tuent avec un regard, mais on joue avec leur nerf. À des cours, je me fais jarter et je me dis que les profs sont. Mais on profite de cette année et on la vit avec le cœur. C'est déjà la fin, c'est déjà la fin. Plus à quoi et c'est déjà la fin, c'est déjà la fin. On verra bien. C'est déjà la fin, c'est déjà la fin. Plus à quoi et c'est déjà la fin, c'est déjà la fin. On verra bien. C'est déjà la fin, c'est déjà la fin. Plus à quoi et c'est déjà la fin, c'est déjà la fin. On verra bien. C'est déjà la fin.